Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien aujourd'hui. Programme PPL, poids de corps, on est sur les jambes, le programme leg, on va se faire du bien. C'est le programme le plus cool, qui est tranquille, simple, efficace et en trois exercices. Allez, c'est parti. Premier exercice, tout simplement, squat statique, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. C'est la base, d'accord? Squat statique. Rien à dire sur cet exercice-là. On l'a déjà fait ensemble, on l'a déjà fait plein de fois. Essaye de bien descendre, avoir une bonne amplitude et là on est tranquille. Deuxième exercice, fente avant. Très très bon exercice qui fait mal et que j'aime pas du tout pour les jambes. Parce que franchement, il me fait trop trop mal malheureusement. Mais il faut le faire, d'accord? 4 fois 10 reps, c'est important. Pour ça, reste focus, reste concentré, mets une musique, mets ce que tu veux, mais assume tes 4 fois 10 reps. C'est important avec 1 minute 30 de repos. Dernier exercice, fente encore pire que les fentes avant, les fentes statiques. Tu vois, là, après ça, tu seras prêt. Ok? Ça veut dire que si tu fais de la course, si tu fais du sport au club, tu fais n'importe quoi, là, tu seras prêt. D'accord? Tu seras prêt. Tu seras performant. Tu n'auras pas de douleur. D'accord? C'est important. Assume. 4 fois 10 répétitions de chaque côté avec 1 minute 30 de repos. C'est important. Pour ce programme-là, j'ai mis trois exercices. D'accord? C'est le programme le plus court que les autres exercices. Mais comme pour ma séance en salle, tu peux faire les abdos. D'accord? Tu peux faire des crunchs, des relevés de jambes, ce que tu veux. D'accord? En parlant des relevés de jambes. Certaines personnes m'ont dit que les relevés de jambes, il ne faut pas les faire parce que voilà. Je pense qu'il y a un YouTuber et c'est arrivé de nulle part. Un coach, il a dit il ne faut pas faire cet exercice-là. Moi, ce que j'aime pas en musculation, pour revenir par rapport à ça, c'est que à chaque fois que un youtubeur dit il faut plus faire ou faut pas faire cet exercice-là, et ben personne le fait. Les relevés de jambes, on les a toujours faits depuis des années en salle de sport. C'est pas parce qu'une personne a dit qu'il faut pas le faire qu'il faut arrêter de le faire. Moi, je continue à faire mes relevés de jambes avec un poids s'il le faut. Donc, si tu vois quelqu'un faire des relevés de jambes, laisse-le faire ses relevés de jambes, c'est important. Et bien entendu, dans l'amélioration de ton programme, ben, tu peux te mettre un gilet lesté, c'est important si tu veux souffrir ou avoir mal. Si tu as des poids, tu peux prendre des poids, d'accord? Ben, comme on fait à la maison, les programmes ensemble, tu prends des poids, tu fais ton programme avec des poids et t'es bien, et voilà. Et même si par exemple, tu es un peu comme moi où tu fais les jambes et tu n'aimes pas faire les jambes, ça te frustre, et ben, tu peux faire les jambes et partir après, soit sur des tractions à côté et des pompes pour avoir la sensation d'entraînement. Je dis ça parce que, en fait, moi, quand je faisais les jambes à la salle, j'avais mal, tu vois, et quand je l'ai fait encore, j'avais mal, mais sauf que là, maintenant, j'arrive à faire une séance jambes complète. Avant, je faisais des séances jambes, mais après, je partais sur le haut du corps, tu vois, histoire de me rassurer. Parce que j'avais l'impression de ne pas faire des séances complètes. Mais si que j'avais mal, je sais pas, c'était bizarre. Donc, si tu as cette impression-là, tu peux faire ton programme leg, et ensuite, tu fais soit ton programme push, si vraiment tu as beaucoup d'énergie, ou alors un peu de pompe, un peu de traction à côté. En rappel, ça peut te faire du bien. Et bien entendu, il y a d'autres exercices jambes que tu peux faire, comme tous les exercices fesses là, que tu peux faire à quatre pattes. Mais moi, tu vois, les exo squats, je prends tout dans les fesses. Donc, j'ai pas besoin de faire tous les donkey kicks, tous les trucs où tu te mets dans des positions désobligeantes à la salle de sport, sachant que là, il y avait du monde. Voilà, d'accord, je voulais pas faire ça. Et j'ai de la chance au niveau des squats. Parce que j'ai pas besoin de faire ça, mais si tu veux travailler les fesses, et ben c'est parti, tu peux te faire du 4 fois 10 reps intense programme fesses. En tous les cas, je vais voir ce qu'on peut faire ensemble à la maison en programme fesses, parce que ça peut être intéressant. Donc voilà pour ce programme leg, j'espère que tu as pu kiffer ce PPL maison. Moi, là, je pense que je vais te faire des vidéos spéciales points faibles en musculation, reprendre des petits programmes avec moi. Parce que là, je vais bientôt entamer la formation. Ça va être très, très dur pour le mois de mai d'être régulier sur YouTube, de te proposer du contenu et de t'accompagner jusqu'à l'été. Parce que moi, j'aurai des révisions à faire, j'aurai beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'aurai moins de temps. Mais ça, voilà, ces petits programmes-là m'aident à te faire du contenu, à t'accompagner, à te donner quelques clés pour que tu puisses avancer. Les autres programmes, ça sera des programmes en salle de sport toujours, mais aussi avec moi à la maison. Donc on va faire ça bien, ok? Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.